Bah, coucou à toutes et à tous et salut des loutres. Un gros bisou pour l'After Thinking et Thinker Loop. Alors voici la situation sur le tracé de la 69 avec les mises en danger de nos écureuils qui sont perchés dans les arbres, les lignes de vie qui sont attaquées. On a eu des blessés, on a eu des interpellés, on a eu des traumatisés. Ici c'était une zone d'espoir, c'était la ZAD de la Calabre qui a été détruite il y a deux jours. On a toutes et tous perdu des affaires. On aura de mauvais souvenirs avec ça, et pourtant on est toujours là et on essaye de combattre. Et qu'est-ce qu'on combat? Bah, un monde qui va à sa ruine. Et vraiment, la protection de la nature, la protection de notre futur, c'est quelque chose d'universel. Et le fait qu'on ne soit pas tous des locaux, c'est justement c'est ça qui nous fait notre force et qu'on s'attache à notre propre maison. Donc, je ne saurais dire quelle leçon il y a à tirer de tout ça, mais c'est notre réalité. Allez, je vais l'autre.